Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui, je vais chanter. Ouais, je vais chanter un peu. J'ai une envie de chanter. Parce qu'il y en a un internaute, je l'ai bloqué parce que j'avais une envie, tellement envie. Alors, je suis DJ de merde et je suis chanteur de merde, d'accord. Eh ben moi, pour votre information, monsieur, je sais tout, je ne chante pas, déjà. On essaye de s'amuser un peu, hein. Donc, comme je vous ai dit plusieurs fois, monsieur, là, c'est normal, vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas, voilà, vous ne me voyez pas. Voilà, bon, désolé, c'est pas grave, j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait, voilà. Alors, je vais m'adresser à ces jeunes enfants de 5 mois de mentalité. Pour votre information, si vous ne savez point écouter, c'est pas ma faute. Vous avez des problèmes. Si vous ne savez pas utiliser votre phone parce qu'il grésille, c'est pas de ma faute non plus. Donc, si votre phone tombe en panne, je m'en contrefiche. C'est votre faute. C'est tout. Vous savez utiliser que des téléphones de très bas de gamme qu'on appelle Samsung S8. Et en réalité, vous ne savez même pas les utiliser. Donc, ce sera quoi ça? Moi, j'ai pas un iPhone S8, moi. Il y a un iPhone S7. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai un iPhone S1000. Ou un Samsung S1000. Je m'en contrefiche de vos conneries. Vous voyez, je vais vous dire franchement avec vous. Aujourd'hui, je vais chanter. Voilà. J'avais une envie de chanter. Il m'a dit que j'étais un chanteur mytho. Il m'a dit que j'étais un chanteur mytho. Mais j'en ai marre des gens stupides. Et j'en ai marre des gens stupides. Et le groupe Gamin, voilà. Le groupe Gamin. Et oui, j'essaie d'entendre du danside. J'en fais du top, du dum. Bah moi, j'en manque entre fiches des gens qui sont très méchants. Très très méchant, je m'en contrefiche. Je réponds à leur haine. Pourquoi je réponds à leur haine? Parce que, pour être franc avec vous, c'est que tout simplement, la haine est quelque chose de mystérieux pour ces petits. Ça, parce que c'est la haine. Après, ils vont écrire en commentaire. Ouais, tu sais pas chanter, t'es un nul, tu vaux rien, tu sais rien faire, parce que t'es un trou du cul, t'es un lâche-cul, t'es un nash-tu-gut. C'est les commentaires, hein. Alors, je recommence avec ça. J'aime bien ces gens, ils me font rigoler. Ils me font trop rigoler. Je crois que vous savez pas lire en gros caractère. Vous avez un gros souci. Les petits, ceux qui écrivent. Je prends le cas de monsieur. Excusez-moi. Voilà. J'en lis un. Il y en a un, je le lis. Il dit tout simplement
Tu chantes comme une merde, t'es un DJ comme une merde. Donc le problème, c'est que toi-même, t'es une merde. Voilà. C'est le mot plus juste. L'autre, ça m'a l'écho. L'autre, c'est tout simple. L'autre, c'est quoi? Il a dit, ouais, t'as pris le matériel de DJ Nono, et DJ Nono est mort, donc comme DJ Nono est mort, il a pris le matériel à DJ Nono, donc DJ Nono, déjà d'une, il a le matériel chez lui, trou du cul de merde. D'accord? Voilà. Je continue. J'ai pas fini, je continue. Après, il y en a un autre qui m'a fait un peu rigoler. Ouais, déjà, ta caméra, elle est pas bien parce que tout simplement, tu sais pas cadrer, tu sais pas faire ceci. Bien sûr, la caméra, elle était sur la platine. Donc, pour un le décor derrière n'était pas terrible. C'est normal, c'est chez moi, trou du cul. Voilà, je continue encore. L'autre, il dit. Ouais, attends, il est où? Voilà. Ouais, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Parce que je me rappelle même plus tellement qu'il dit des conneries là-dedans, là. Ouais, ah, quel délire. Alors la question, quel délire? Le délire, bah, c'est vous-même qui faites que le délire, parce que vous-même vous délirez dans l'affaire. Quand je dis tous les commentaires que je vois, j'en suis. On m'a fait trop rire. Ouais, franchement, ça me fait rire parce que, entre guillemets, voilà, c'est entre guillemets. Alors, pour ceux-là qui font, qui écrivent des trucs qui ne valent rien, je vais vous expliquer quelque chose. Vous comprenez pas. Je prends mon temps, je prends mon temps, je vais surbloquer. Après, je vais supprimer votre commentaire. Je les lis parce que je les lis pour m'amuser. Mais le problème dans cette histoire, c'est que vous-même, quand j'ai regardé vos vidéos, mes chéris, je vais être franc avec vous, ou déjà d'une, vous prenez les vidéos des autres. Donc, vous n'avez aucune artistique dans le domaine de la vidéo. Donc, quand quelqu'un a quelque chose dans la vidéo, vous allez le prendre. Puis foutre de sa gueule. Et vous foutez pas de la gueule que de moi, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos, comme Malaise TV par exemple. Malaise TV a pris des vidéos. Des vidéos, même les meilleures vidéos, soi-disant pour eux, les meilleures vidéos, parce que c'est tellement dégueulasse, c'est tellement pourri pour eux, qu'ils en foutent leur gueule. Et en plus, ils ne touchent pas que des handicapés, hein, parce que j'ai regardé, il y a vraiment des personnes qui sont dans le. On va pas dire dans le show business, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement des personnes qui sont déjà dans les YouTube, qui font leur façon de montage, même si c'est un peu raté, entre guillemets. Ben, vous foutez de leur gueule, c'est tout. C'est tout ce que vous savez faire. Le problème dans cette histoire, c'est que vous vous moquez. Vous êtes sur une plateforme d'Internet. Sur la plateforme d'Internet, vous êtes en train de vous faire vous-même mal voir parce que moi je suis pas un pro de l'info, d'accord? Je suis pas un pro de l'informatique. J'aurais été un gros pro de l'informatique, j'aurais rien dit mes secrets. Il y aurait longtemps que vous l'aurez déjà découvert. Je sais où, après vous, je saurais comment je vais vous découvrir. Mais il y a une chose aussi que vous savez pas. J'ai mon petit bras. Avec mon petit bras, je peux faire les choses. Je peux trouver beaucoup de choses sur vous. Et en quelques secondes. C'est tout. Je vais juste faire un coup de scisson et ça me suffit largement. Voilà. Comme par exemple, je vais prendre Papy Tricot, le Papy Triconnet, le faux James Corre, lequel encore ah bah oui, encore l'autre. En fin de compte, le Malaise TV, bah, je l'ai découvert. J'ai trouvé c'est qui. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà trouvé. Qui encore après il y a un faux profil de Kirby, le faux profil de Kirby, je parle pas du vrai Kirby 54 bien sûr hein. J'ai dit mes amitiés à Monsieur Kirby 54 pour de vrai, mais pour le faux Kirby 54 je le confirme bien que c'est un profil volé avec de copier-coller, même de moi par exemple, il y a eu aussi moi qui a été copier-coller aussi, tout ça. Vous savez, j'ai pas besoin d'être un pro de l'informatique pour le savoir
qui vous êtes derrière. Il y en a même un autre qui essaie de s'appeler comme moi, mais en fin de compte, il rajoute une lettre, une tonne de bagons derrière en plus. Mais bon, c'est bien dans le sens. Mais en même temps, il se fait dire qu'il est fan de quelqu'un. En réalité, c'est pas vrai. Il n'est pas fan de personne parce que c'est des personnes qui aiment bien foutre de la gueule de la personne. C'est tout. Donc, il y a déjà ça. Quand je vous ai dit, la dernière, dans une de mes vidéos, que vous avez une intention d'attaquer aux chaînes des orangs. Ben, vous pouvez attaquer les chaînes des gens parce que vous ne connaissez rien du tout, déjà dans la base. Le problème, c'est que le problème dans ça, c'est que vous n'avez vous n'êtes respectueux pour rien. Mais quand on est devant vous, c'est marrant, je vais vous montrer comment vous êtes. Hein. Ah, Anthony, voilà comment vous êtes. Vous êtes de la merde, quoi. Tout simplement. Vous êtes des petits mythos. J'ai la preuve parce que j'ai déjà vu ça. Donc, c'est vrai. Donc, vous allez arrêter vos conneries. Vous allez vous calmer. Vous allez vous abonner à d'autres chaînes qui sont plus intéressantes, qui sont plus utiles, comme vous dites, qui a des beaux cadrages, qui a des bonnes vidéos, etc. Vous allez là-bas, c'est beaucoup. Alors, je vais aller sur Jean-Noël, parce que je vais y aller direct avec celui-là. Le Jean-Noël, bah, c'est lui qui m'a fourni ce petit wagon là qui est arrivé, mais c'est des petits wagons qui ne servent à rien. Parce qu'il y en a déjà des petits wagons qui sont déjà arrivés il y a X temps, qui sont là et qui ont été démarrés par M. Papy Tricounet. Donc c'est pas grave, monsieur Papy Tricot, je t'en veux à moitié, mais je t'en veux. Voilà. Quand il y a des choses importantes, il y en a qui font des commentaires un peu dégueulasses. Et les commentaires un peu dégueulasses, bah, vous les gardez pour vous, parce que vos blagues, il n'y en a pas. Et les gens, il y a des personnes qui regardent. Et en regardant, bah, ils voient bien que vous êtes des débiles. C'est ça le problème, c'est que vous êtes en train de vous faire vous-même comme débile. Parce que moi, je suis pareil, hein. Je suis une personne qui va lire le commentaire, qui va regarder la photo. En regardant la photo, je vais cliquer dessus. Et je vais dire, tiens, je vais m'abonner dessus. Et alors, moi, l'abonnement, avant de m'abonner, bien sûr, je regarde ce que vous avez comme contenu. D'accord ? Et en regardant vos contenus, qu'est-ce que je vois ? Par exemple, si c'est des contenus intéressants, bah, je prends. Ça m'intéresse de regarder. Si c'est des contenus mythos, ça ne m'intéresse pas. Comme par exemple le cas de Papy Tricot, je ne me suis jamais abonné. D'accord ? Kirby, j'ai rien contre lui, c'est pas mon truc. Et pourtant, je respecte Kirby, tout simplement. Malaise TV, alors là, c'est même pas la peine, c'est de la vidéo volée. Basta, c'est du contenu qui sert à rien du tout. Il n'y en a pas que Malaise TV de Papy Tricot qui tourne, il y en a une autre qui s'appelle aussi Malaise TV. Elle fait les mêmes choses, mais bon, bref, je ne m'occupe pas. Alors, et je veux revenir sur le 18-25, là, le réseau le plus meurtrier d'Internet, qui est soi-disant beaucoup bien vu. Ben non, c'est pas vrai, il n'est pas si bien vu que ça, c'est un site qui vaut que dalle, qui n'a aucun respect. J'ai regardé, j'ai mis... Bon, pas, ben non, m'intéresse pas. Parce que le jeu vidéo, c'est plus de l'actualité pour moi. Voilà. Donc tout simplement, le jeu vidéo, ça m'a jamais été de l'actualité à la base. Je me suis intéressé comme la PlayStation, la première, jusqu'à la 2, la 3, la 4, je m'intéresse plus. C'est bon, c'est terminé, je passe plus par là. Mais je m'intéresse toujours au domaine électronique. Pour votre information, vous savez pas ce que vous racontez. Donc vous savez même pas, quand vous dites que DJ Nono est mort, bah DJ Nono est mort, tant mieux, hein. Mais le problème, c'est que c'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes la mauvaise graine de vos compositions que vous faites à vous-même, parce que vous suivez en gros, vous suivez des gens que vous devez même pas suivre. On vous dira de vous jeter à la scène, c'est ce que vous allez faire. Par contre, allez mourir, parce que c'est plus simple pour vous, hein, parce que vous êtes vraiment des déchets, des vrais déchets du web. Et c'est sérieux, c'est très très sérieux, c'est du déchet du web. Parce que, honnêtement, quand on regarde vos vidéos, que vous regardez le plus, hein, bien sûr, vous ne respectez pas.
Vous respectez personne, vous respectez que vous-même. Et encore, on se demande si on peut respecter, parce que je ne respecterai pas. Ça, c'est sûr, je ne respecterai pas ce genre de personnes-là. Par contre, c'est tout. Bref, voilà, tout simplement. Tout simple. Alors, pour les personnes qui suivent, ils sont bien. C'est bien qu'ils me suivent. Il n'y a pas de problème. Tout tout. Donc, voilà. Alors, regardez bien des vidéos. Et vous voyez qu'il y a des vidéos qui n'ont même pas une belle qualité. Et je les suis aussi. Hein, je donne aussi des conseils. Je dis même leur demander de changer même leur caméra. Parce que leur caméra, elle est pas. C'est même pas du HD. C'est pas une question du HD. Vous pouvez avoir un super flux de HD. Ah ouais, super! Mais regardez quand même votre cadrage avant de parler. Parce que quand vous voyez comme ça, c'est qu'il y a un problème sur la caméra. Vous voyez pas que les caméras, les petites caméras de sport, on va dire, entre les caméras de sport, mais c'est pas des caméras exprès pour filmer ça. Filmer vos trucs. Moi, j'utilise une vraie caméra. Je suis désolé. Donc, si j'ai envie de me la péter, je me la pète. Si j'ai envie de faire ceci, je me la pète. D'accord? Donc, je fais, mais j'ai pas envie. Parce que c'est pas mon truc. Par contre, vous êtes des péteux. Et des vrais péteux. Qui valent rien. Qui sont là pour injurier les personnes. Tout simplement. Et c'est ça le problème avec vous, c'est que vous n'avez aucun respect. Donc tout simplement, alors si j'ai envie de chanter, je chante. Si j'ai pas envie de chanter, je chante pas. Mais vous emmerdez personne. Vous allez vous voir vos petites culottes et vous en occupez de vous-même. Tout tout. Prenez vos vidéos, regardez vous-même et vous allez voir ce que vous allez critiquer. Parce que moi j'en vois, j'en suis plein. Je suis plein de personnes. Comme DJ, comme certains DJ, des petits DJ qui débutent. Et quand je vois leur matériel Ibiza, ouais, bof, ouais, bof, non, c'est nul. Voilà, c'est direct, c'est nul, c'est de la merde. Je suis passé par là. Moi aussi, j'ai acheté du Ibiza, j'ai acheté du Boost. C'est la même merde, c'est les mêmes sociétés, c'est les mêmes trucs. Il y a même une petite marque qui appartient aussi à Boost, pareil. C'est quoi? C'est pas des trucs superbes. Je suis désolé. On prend pas matériel de bas de gamme pour se dire qu'on est DJ. Non. On commence à prendre de l'entrée de la gamme. Ça veut dire une bonne entrée de gamme. Très bonne entrée. Vous prenez l'Équence, qui est vraiment pas du tout cher pour ce que c'est. Ça vaut 400 balles. Je suis désolé. À 400 euros, tu as à peu près la même chose. Je suis désolé. À 400 euros, des enceintes, deux enceintes passives. Deux enceintes passives et un caisson pas très puissant à 200-300 watts. Ça suffit largement, même 300 watts maximum, je crois. 300 watts. Après, bon, bien sûr, comme le mien, comme le mien en double amplification, on a pour 599. Moi, je préfère mettre 599 de matériel que de mettre un petit truc 300 euros, 300 euros, ouais, 320 balles, juste pour voir que les enceintes elles vont gueuler, et un ampli qui va dire, qui va donner un certain rendement, et après, plus rien. Donc c'est pas intéressant. Alors, au lieu de me critiquer, bande de zouaves que vous êtes, réfléchissez de quoi vous êtes. Tout simplement parce que on n'écrit pas des trucs comme ça sur Internet. Parce que c'est votre image que vous voyez. Tout simplement, c'est pas la mienne, je m'en fous. Parce que j'ai rien à me reprocher à côté de vous. J'ai dit ce que je pense de vous, tout simplement. Voilà la différence. Donc maintenant, les petits idiots de merde que vous êtes, évitez de venir ici. Malaise TV, elle ne vaut rien. Elle ne sert à rien sur le réseau web en lui-même. Ah, ça sert à rien du tout. Moi, si je m'en fous, qu'est-ce que ça sert à quoi? Parce que je fais certaines vidéos, elles font 2000 vues, d'autres, elles font 50 vues, l'autre, elles font 10 vues, l'autre, elles font... Et ça sert à quoi de l'imprimer? Bah, ça sert à rien. Moi, je peux avoir des vidéos de 17 000, 19 000 vues, j'en ai même une qui fait 25 000, ou même presque 30 000, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et 30 000, parce qu'elles cartonnent pour une raison. Parce que ce n'est pas un sujet qui vous intéresse, vous vous intéressez au sujet
Ouais, je sais pas chanter. Ouais, je sais pas faire DJ. En réalité, vous croyez même pas, vous savez même pas ce que je fais. Bande d'idiots. Parce que chacun a son... Vous savez même pas comment là j'ai démarré. Vous savez rien du tout. On vous le dit, mais c'est pas la grave. Ça rentre là-dedans, ça ressort de l'autre côté. Parce que vous valez rien. Donc maintenant, fermez vos gueules. N'écrivez rien. Écoutez. Allez observer un peu plus loin. Et vous allez voir que, tout simplement, il y a des gens qui font même moins bien que moi. C'est tout. Et même encore pire. Et vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez foutre. Ouais, oh, t'as vu, tu sais rien faire, tu connais rien en matériel. Voilà ce que vous allez faire. Foutre de sa gueule. C'est tout ce que vous savez faire. C'est vraiment. Vous êtes vraiment des personnes qui ne valent rien du tout. Vous ne respectez même pas le 18-25, vous respectez personne. Malaise TV, vous respectez personne. Tout ça là, vous n'êtes pas, vous ne valez rien du tout, en gros, que dalle. Moi j'ai la tête haute à côté de vous, je vous signale. Donc voilà, tout simplement. Allez, salut, et vos conneries à 50 balles, eh ben, gardez-les pour vous, parce que dans cette histoire, c'est vous-même qui vous êtes en train de vous abîmer. Parce qu'il suffit que je clique sur votre symbole et je vais regarder ce que vous faites comme vidéo. Il y en a un qui a piqué mes vidéos. Il a une tête de gonzesse. Et c'est un bonhomme. C'est une grosse suceuse de merde. Et c'est intéressant de dire des choses comme ça. Ben, je vois pas. Allez. Je vous adore et je dis salut à tout le monde. Hein, et vous inquiétez pas, ce que je dis, c'est pour le 18-25, Malaise TV et bien d'autres derrière qui vont se reprocher beaucoup de choses, tout simplement. Alors, quand je dis quelque chose, je le dis et je le ferai, d'accord? Donc, merci. Bye bye.